provenant de Saint-Domingue, Santo Domingo, République dominicaine. Au départ, c'est un rythme qui est joué sur ce qu'on appelle la tambora. C'est un tambour à deux peaux qu'on pose sur les genoux. D'un côté, on se sert d'une baguette qui joue sur la peau et sur les bords, main droite, et main gauche à main nue sur l'autre peau. Donc, les congueros ont adapté ce rythme-là pour les congas par rapport à l'orchestration, donc pouvoir le jouer du merengue si on a des congas et pas de tambora. Donc, l'équivalent de la tambora, ça va être ma tumbador ici, que je vais utiliser avec une batte. Voilà, donc j'ai un peu scotché le bord pour que le contact avec le bois soit pas trop rude. Donc je vais m'en servir en jouant le son ouvert, en tapant sur le bord, soit de la peau, soit du cercle si on veut plus de volume. Et la main gauche, elle va jouer sur la peau. Donc le merengue, en gros, il démarre comme ça. Le rythme de base, d'accord, deux coups main droite, gauche, droite, après, voilà, le dernier son clair, c'est le premier temps, 1, 2, 3, 4. La clave qui l'accompagne, alors certains se servent de la clave son 2-3 parce que le morceau est écrit en son qui a un passage en merengue, mais la clave, c'est plutôt la clave antillaise, celle qui fait tac, 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 hein? C'est-à-dire, là j'ai une cloche au pied qui me donne un temps sur deux, c'est-à-dire la blanche, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Donc il y a deux claves antillaises pour un cycle de rythme entier. Le cycle de rythme entier, c'est... Voilà. La clave, donc, elle fait 1, 2 et 3, 4, 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 1. Donc première figure rythme de base, 1, 2, 3, 4... un coup avant les quatre coups qui sera joué donc main gauche. On peut aussi rajouter un coup après, qui sera toujours joué main gauche. Et on peut rajouter le coup d'avant et le coup d'après aussi.
J'ai trois possibilités pour jouer le rythme, pour varier un petit peu pendant mon jeu, sachant que la base c'est... Ça, c'est la base sur la tumbador. Le rythme complémentaire que j'ai trouvé, que j'ai créé, que j'ai adapté au merengue, à la tumbadora, se joue de la manière suivante. La pulsation va tomber en même temps que la cloche, c'est-à-dire une noire sur deux, sur les basses, sur le rythme de base. Hein. Donc, au début, sur le 1, hein, les premiers coups. Ça, c'est le deuxième coup, basse. D'accord ? Donc, on prend... Ça, c'est la moitié du rythme. L'équivalent d'une clave en tièse. A, 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 A. Donc, déjà, on va la faire tourner en boucle, sachant que la main droite fait ça. Se rajoute à ce moment-là, après la basse. La deuxième partie, au lieu de jouer un seul son clair, on va en jouer deux et on va retomber sur le premier temps qui sera la basse. Ça, c'est la base. Je rajouterai des claqués qui sont principalement joués main gauche. Et je ferai une vidéo pour développer davantage ce rythme d'accompagnement, pour vous montrer à quel endroit précisément on peut placer des claqués main gauche. Et éventuellement aussi des sons clairs supplémentaires. Donc, le rythme il fait 1, 2, 3, 4. Donc, il faut bien faire attention de placer les deux coups au moment où la tumbadora fait do 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 do. Do, 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 do. Hein? Voilà. On peut aussi soit garder un cycle avec un coup, soit garder le cycle avec deux coups. Un coup, deux coups, ça vous permet de garder ce cycle par rapport à la tumbadora. Voilà, ça c'est un cycle entier qui correspond à togo do go do, ta, 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 togo do go do. Voilà, c'est la même longueur. Deux claves en tièse. Pam, 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 deux. Pam, 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 deux. Pam, pam. Voilà. Donc ça, c'est le rythme complémentaire.
Je vous le joue en vous jouant, je vous l'expliquerai aussi sur une autre vidéo, en jouant aussi des claquets main gauche. 1, 2, 3, 4. Pour accompagner le merengue, j'ai ici un jam bloc, cloche aiguë, cha-cha, cloche médium. Alors, soit on peut très bien ici jouer ce que je jouais au pied à la cloche, c'est-à-dire la blanche, et ici au jam bloc, reproduire le bord de la batte sur la tamboura qui faisait. C'est ça. Les deux coups que je rajoute sur la cloche cha-cha, c'est pendant les togododo. Ta-ta-ta-ta-ta, togododo. 1, 2, 3, 4. On peut aussi tout simplement jouer la clave antillaise. On peut doubler les coups sur la cloche médium qui joue le temps. 1, 2, 3, 4. Un peu plus rapidement, ça donne 1, 2, 3, 4. Enfin, la güira, qui est l'équivalent du güiro cubain, qui lui est en calebasse, en bois, ça c'est en métal. Rythme de base, c'est. Le coup sec, c'est le 1. Voyons maintenant avec tous les instruments ce que ça donne.